Bonjour, merci d'être aussi nombreux avec nous aujourd'hui pour cette table ronde sur le thème horaire d'ouverture, quel projet pour quels objectifs. Alors je n'ai pas fait de recherche dans les archives des congrès de l'ABF, mais je pose quand même l'hypothèse qu'il s'agit là de la première table ronde consacrée exclusivement à la question des horaires d'ouverture dans les bibliothèques. Enfin, peut-être que des anciens me détromperont, mais malgré tout, je pense qu'effectivement c'est un sujet de cette façon-là relativement récent. Il se trouve que cette table ronde est programmée dans un congrès qui parle de tension, et en l'occurrence, tension avec l'environnement. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce que les horaires d'ouverture de bibliothèques sont un témoignage de la tension, enfin, cette question des horaires d'ouverture est un signe de la tension qui pèse aujourd'hui sur les bibliothèques. Est-ce que c'est une source de tension auprès des bibliothécaires? Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Source de tension avec l'environnement, avec le public. Là, ce sont toutes ces questions que nous pourrons aborder aujourd'hui, et surtout par rapport à cette question de projet. L'année 2014 et le début de l'année 2015 ont été riches en débats, en questions vraiment publiques sur les horaires d'ouverture des bibliothèques. On peut rappeler la pétition de Bibliothèques sans frontières, qui a ouvert un certain nombre de discussions dans la profession. En parallèle également, la préparation de la loi Macron, qui au niveau national a posé la question de l'ouverture du dimanche, des commerces, mais nous savons qu'il y a également eu un amendement déposé pour poser la question de l'ouverture des bibliothèques le dimanche. Alors, bon, on verra quelle suite ça aura, mais en tout cas, il est certain que là, il y a vraiment un lien entre l'ouverture des bibliothèques et l'ensemble des questions posées à notre société. Avec cette évolution des modes de vie aujourd'hui et la façon dont nos bibliothèques peuvent répondre aux besoins de nos concitoyens. Alors, l'année 2014, le début de l'année 2015, ont également vu la publication de deux ouvrages. Un ouvrage aux presses de l'ANSIB, donc, que vous pouvez trouver dans le salon professionnel, Ouvrir plus, ouvrir mieux, un défi pour les bibliothèques, dirigé par Georges Perrin. Et puis un ouvrage, Ouvrir grand la médiathèque, faire évoluer les horaires d'ouverture, copublié par l'ABF et le service du livre et de la lecture au ministère de la Culture, donc, que j'ai eu l'honneur de commettre au nom de l'ABF avec Marine Rijade qui représentait le SLL. Donc deux publications qui sont sorties un mois d'intervalle sur le même sujet, avec des points de vue un petit peu différents, mais toutes les deux riches en témoignages d'expériences menées dans les bibliothèques. Je crois que c'est un signe aussi de l'importance de cette question aujourd'hui. Nous avons beaucoup de matière pour réfléchir et pour discuter. En tout cas, ce que ça révèle aussi, c'est une forme de consensus sur une lacune, une difficulté, une tension sur les horaires d'ouverture que nous proposons aujourd'hui dans nos bibliothèques par rapport aux besoins de la population. Et donc, je crois que ça doit nous rappeler aussi cette tension qu'il y a nécessité vraiment d'aller au-delà des positions personnelles, idéologiques, mais vraiment l'aborder sous l'angle du projet. Et du projet qui fait sens par rapport aux besoins de notre population. Sens vraiment en termes de services publics, et donc avec vraiment une notion de projet à aborder aussi en fonction des conséquences que ça aura sur le service à apporter à la population, mais également les conséquences par rapport à nos personnels et au fonctionnement des équipes. Donc ce sont ces différents points de vue que nous aurons à aborder. Alors, quel projet pour quels objectifs? C'est donc la question que je vais poser aux trois intervenants de cette table ronde, que je remercie d'avoir accepté l'invitation de l'ABF. Je voudrais également signaler au premier rang la présence de Sylvie Robert, sénatrice qui a été confiée une mission par la ministre de la Culture sur les horaires d'ouverture des bibliothèques en termes d'adaptation aux besoins. Donc, qui est présente avec nous aujourd'hui, et donc, ce qui est là encore un signe de l'importance de ce sujet. Alors, Souad El Maïssour, que vous avez pu entendre ce matin, donc adjointe au maire de Strasbourg en charge de la lecture publique, déléguée à la lecture publique à Strasbourg Eurométropole. Vous avez fait une intervention remarquée ce matin, mais également lors des assises des bibliothèques qui ont eu lieu à Paris en décembre 2014, qui ont été filmés, donc pour ceux qui n'ont pas pu y assister, cette intervention se retrouve facilement sur Internet. Et elle frappe beaucoup, comme vous nous avez frappé ce matin, je crois, par votre engagement, la force de votre engagement, la sincérité de cet engagement aussi. Donc voilà, vous allez pouvoir nous parler de l'expérience strasbourgeoise et Eurométropole. Françoise Legendre, inspectrice générale des bibliothèques, vous avez signé avec Nicolas Gallo
directeur de l'ABM de Brest, un article dans Ouvrir Grand, la médiathèque, consacré à la gestion d'un projet d'aménagement des horaires d'ouverture. Mais ce que vous m'avez dit lorsque nous avons évoqué cette table ronde aujourd'hui, c'est que vous ne souhaitiez pas venir en apportant forcément des recettes, des conseils, en tout cas pas une position dogmatique, c'est certain, mais vraiment aussi ouvrir la réflexion et voilà, poser toutes les questions qui peuvent nous aider à avancer dans ces projets. Et enfin, Emmanuel Marine, qui va commencer cette table ronde. Emmanuel Marine donc, dirige encore pour quelques semaines le centre culturel Les Cordeliers à Lons-le-Saunier. Donc, vous allez découvrir qu'il s'agit d'un centre culturel qui comporte une médiathèque et un cinéma. Donc, Emmanuel Marine a conduit ce projet, donc il nous expliquera de quelle façon, pour une médiathèque donc, qui ouvre le dimanche. Avec une extension d'horaire d'ouverture importante, donc le dimanche certes, mais également en soirée, et une réflexion importante sur les horaires d'ouverture, avec là aussi les tensions que ça peut créer, les questions que cela pose. Donc je vais vous proposer donc, d'écouter la présentation d'Emmanuel Marine, qui nous servira un petit peu de cadre, d'exemple pour cette table ronde. Puis Madame El-Maïssour et Madame Legendre pourront réagir et nous veillerons à laisser un temps d'échange avec la salle, puisque je pense que c'est un sujet qui s'y prête particulièrement. Et oui, un dernier point. Parmi toutes les publications et toutes les études qui ont eu lieu sur les horaires d'ouverture, en effet, on vient de me rappeler qu'une étude a été menée par la BPI avec l'Observatoire de la lecture publique et que les résultats viennent d'en être publiés sur Internet. Donc vous pouvez retrouver les résultats de cette étude sur le site de l'Observatoire de la lecture publique et sur le site de la BPI partie professionnelle. Bien. Tout le monde m'entend ? Bon, parfait. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais effectivement, pour servir de base au débat, présenter un petit retour d'expérience sur ce que mon équipe et moi-même avons pu faire à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Un équipement qui est neuf, qui a ouvert il y a maintenant 2 ans et demi. Pas tout à fait comme un iceberg, mais moi je suis arrivé 2 ans et demi avant son ouverture, donc ça fait 5 ans maintenant que l'on travaille sur ce projet tous en équipe. C'est un centre culturel un peu audacieux sur le plan architectural, tant de l'extérieur que de l'intérieur, et qui a une audace, c'est d'avoir mis avec la médiathèque un cinéma d'arrêt d'essai, dont j'ai le plaisir aussi d'assurer l'administration en même temps que la médiathèque. Tout ça pour, bon, vous avez la carte d'identité, on va dire, de la médiathèque à l'écran. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est dans une agglomération qui est un territoire qui n'est pas du tout géographique, hein, qui est un territoire politique. C'est une construction de 33 000 habitants sur un bassin de vie qui, lui, est le territoire géographique de 55 000 habitants. Voilà. Pour ce qui est des espaces intérieurs, vous en avez une illustration à l'écran. C'est une conception architecturale récente par Pierre Dubessé et Dominique Lyon, qui a été construit entre 2009 et 2012. C'est un lieu qui n'est pas tout à fait troisième lieu, mais qui s'inspire des réflexions sur le troisième lieu. Pas tout à fait hybride, c'est-à-dire pas tout à fait totalement web, totalement sans documents, mais qui s'en inspire quand même un peu. Bref, c'est une bibliothèque pas tout à fait, mais qui est bien inspiré par les réflexions relativement récentes dans le métier. Donc sur le plan architectural, on peut dire qu'on avait une médiathèque de 2012 qui datait de 2012. En revanche, sur le plan de la conception du service, il y a eu un retard à l'allumage du fait de l'absence notamment de la direction du service et on va dire d'une relativement pauvreté du service, de l'ancien service de lecture publique de la ville-centre, avec peu de personnel qualifié. Et donc, on est parti d'une simple étude de programmation faite par un cabinet dont le but était de fournir un cahier des charges à l'architecte, et non pas de définir un service de lecture publique pour un territoire. Et les quelques éléments qui fournissaient ce cahier des charges ont été certes un peu dialogués avec l'équipe, mais essentiellement s'inspirer d'une très belle bibliothèque municipale des années 70, totalement dans son jus,
avec des horaires d'ouverture évidemment très très en retrait de ce qu'on peut attendre en 2012. Donc on avait une architecture qui était très avant-gardiste et un service qui n'était pas parti pour l'être. Voilà. Autre élément de contexte, nous avions une contrainte budgétaire qui a été fixée très clairement et très solidement par les élus au départ, c'est-à-dire qu'il y avait des lignes à ne pas franchir. Nous étions partis sur un effectif de 18 équivalents temps plein au terme des principales étapes où en général on élimine de l'effectif et après ouverture du fait d'une affluence massive du public puisqu'on a dépassé en quelques semaines 30%, enfin quelques mois 30% de la population inscrite. On est remonté et on s'est stabilisé à peu près entre 21 et 22 équivalents temps plein pour un territoire de 33 000 habitants, encore une fois. Voilà, donc une médiathèque qui était partie pour avoir un peu quand même de retard et tout le monde en avait conscience, aussi bien l'équipe que les élus et que moi, quand j'ai vu le programme technique détaillé qui me servait de projet de service. Donc il a fallu monter un projet de service fondé sur l'innovation, malgré tout, avec beaucoup de temps devant soi, puisque je suis arrivé en septembre 2010 et que l'ouverture était prévue en novembre 2010. Donc, heureusement, j'ai compté sur les architectes et sur les constructeurs de bâtiments, et j'ai eu raison, il y a eu 18 mois de gagner là-dessus pour concevoir le projet de service, puisque nous n'avons ouvert quasiment 2 ans plus tard. Donc, innover. Il était nécessaire d'innover parce que, bien que ce soit un équipement communautaire, il était clair et acté dès le départ que ce serait le seul équipement sur la communauté d'agglomération. Donc il fallait que la médiathèque centrale fasse fonction à la fois d'équipement central et un petit peu d'équipement de proximité. Donc essayer de faire que cet équipement, même si géographiquement il est loin, soit près des habitants dans leur rythme de déplacement. Il fallait aussi tenir compte du fait que, originalité, il y avait un cinéma dans le site et donc un équipement à but commercial dont les horaires sont définis par la présence ou non du public, et notamment le soir. Même si certains cinémas d'arrêt d'essai s'amusent à faire des séances en début d'après-midi, la séance qui marche, c'est celle de 20h30. Et puis, il était nécessaire, et ça tout le monde le ressentait clairement, de rompre avec une image un peu vieillotte de la bibliothèque municipale précédente. Et donc, il était nécessaire de faire complètement autre chose. Alors, comment on s'y est pris? D'abord, il s'est agi de poser des priorités en matière de public cible et de principes d'organisation, régler les questions d'alternance des équipes. Ce qui importait, c'était combien de samedis on allait travailler. Alors, quand j'ai dit, on va parler de combien de samedis, mais aussi de combien de dimanches. Mais ça, il fallait que ce soit réglé tout de suite. À partir de quel rythme c'est acceptable et au-delà de quel rythme on n'est plus dans l'acceptable. Évidemment, ça fait des premières discussions. J'ai essayé aussi de faire comprendre, notamment à mes élus, que ouvrir beaucoup, c'était bien, mais qu'il s'agissait surtout de consacrer une part de l'ouverture importante aux horaires atypiques. C'est-à-dire aux horaires où, justement, puisque nous voulions nous rapprocher des déplacements des gens dans l'agglomération, il fallait essayer de cibler les moments où les gens sont disponibles en fonction de ces déplacements. Alors, évidemment, il y a la pause midi et demi, 13h30, il y a la soirée, la vraie soirée, pas 18h30, hein, la soirée au-delà de 18h30, et puis, évidemment, la question du dimanche. Il fallait aussi acter la présence de vacataires étudiants, j'y reviendrai, et puis on a étendu ce qui était à l'état de débauche ou d'esquisse, ou presque de décoration prévue dans la médiathèque, c'est-à-dire un automate de prêt. On aurait pu mettre un pot de fleurs. Et en fait, on a décidé de systématiser le prêt sur automate, donc de ne pas en mettre qu'un, mais de mettre seulement des automates de prêt pour régler ces questions de transactions, ce qui n'enlève pas évidemment du personnel à proximité pour expliquer comment ça marche. Et puis surtout, on s'est appuyé sur une enquête du public. Alors, il n'y en avait pas eu, ou il y en avait eu une, mais qui n'avait pas donné beaucoup de résultats. Et donc on a essayé, nous, on s'est inventé des marcheurs à domicile pour essayer d'aller
interroger non pas les usagers parce que ça aurait demandé trop de travail, mais les établissements, les associations, les autres services qui recevaient des usagers pour essayer de cibler au mieux les rythmes, les attentes, les disponibilités des groupes de population. Voilà. Et en passant par les lycées, par les associations, par le théâtre, par les grosses entreprises, on a pu ainsi avoir à la fois une espèce de panorama de ce qu'il y avait déjà de proposé et donc ce à quoi on n'allait pas perdre du temps, nous, et en même temps avoir une vision des disponibilités des principaux groupes constituant la population. Ce qu'il en est ressorti, trois conclusions évidentes. Je vais passer un peu vite, je m'aperçois que j'ai du retard dans le PowerPoint. Trois conclusions à peu près évidentes. Le public attendait que cela ouvre. Peu importe ce qu'il y avait derrière la porte d'entrée, finalement, ce qu'il fallait, c'était ouvrir vite. Donc on avait une certaine pression. Et il est apparu tout de suite que le plus petit commun diviseur ou regroupeur, comme on voudra, c'était le dimanche après-midi. C'est là où tous les groupes de population se sont déclarés disponibles et prêts à venir, et auraient trouvé ça très original, de venir dans une bibliothèque. Et puis, il y a une particularité. Alors, Lons-le-Saunier attire un bassin d'emploi beaucoup plus important que sa population en elle-même. Et donc, c'est entre 12h et 14h qu'on a une très large majorité de la population de l'agglomération présente dans la ville-centre. Donc, c'était à ce moment-là qu'on pouvait harponner, je prends un terme volontairement excessif, harponner le plus la population. Trois conclusions qui étaient nettement moins évidentes, mais qui revenaient quand même assez fréquemment, c'est que le matin, les gens font autre chose. Et même les groupes scolaires, puisque nous étions en phase de préparation de la réforme des rythmes scolaires. Il nous est apparu qu'il y avait un rythme propre au temps scolaire et un rythme propre au temps non scolaire, donc aux périodes de congé des enfants. On pouvait essayer d'adopter ce rythme-là nous-mêmes. Et enfin, la disponibilité des habitants locaux se situait essentiellement en soirée, alors que la disponibilité des habitants extérieurs à Lons se situait plutôt entre midi et 2. Donc, on en est arrivé à une grille qui est très loin de l'hypothèse de départ que vous aviez vue tout à l'heure, avec une ouverture entre midi et 2 systématique, une fermeture le lundi, parce que les bibliothèques sont fermées le lundi dans les territoires, et une ouverture le dimanche et en soirée jusqu'à 20h le vendredi et le samedi, ce qui correspondait aussi à la séance de cinéma que nous avions essayé d'avancer. Échec total. La séance de cinéma, c'est à 20h30, c'est pas à 20h. Donc on a quand même maintenu l'ouverture de la médiathèque à 20h, mais ça n'est plus connecté avec la séance de cinéma. Alors pour accompagner tout ça, nous avons fait appel à une formatrice qui a essayé de motiver l'équipe avec moi pour donner des techniques aussi sur l'accueil, parce que ce volume important d'accueil, 35h30 pour l'équipe, faisait un peu peur, et il y avait un besoin de professionnaliser un peu ce secteur-là qui, en général, est fait de recettes de grand-mère. J'ai essayé pour, faire passer la pilule du dimanche, d'individualiser les plannings, c'est-à-dire en contrepartie du dimanche que vous venez travailler, eh bien, dites-moi l'organisation du reste de la semaine que vous souhaiteriez. J'ai 23 agents à ce jour, j'ai donc 23 plannings différents, sauf le dimanche. Voilà. Et puis évidemment, pour accompagner tout ça, il a fallu une négociation entre l'employeur et les employés. Bien, ce qui malheureusement a accompagné aussi le projet, c'était une négociation, et donc une négociation entre l'employeur et les employés qui a bien débuté et qui n'a pas forcément abouti. Ça n'a pas forcément mal abouti, ça n'a pas abouti. En tout cas, ça n'a pas abouti à une solution satisfaisante et claire. J'y reviendrai par la suite. Deuxième point sur lequel nous avons eu des difficultés, c'est que Lons-le-Saunier n'est pas une ville universitaire et partir de l'hypothèse de recruter des vacataires étudiants est une gageure. Nous avons eu recours à ce qu'il y avait sur place, hein, des étudiants de BTS, des étudiants donc de formation professionnalisante qui sont à peu près la moitié de l'année en stage et donc pas présents. Donc ça a été une difficulté, c'est une modification que nous avons dû apporter. Et puis on a connu un effet d'ouverture démesuré, on aurait pu s'y attendre, mais peut-être pas dans ces proportions-là, puisqu'on a multiplié par deux pratiquement les objectifs de fréquentation.
cet effet d'ouverture et cette affluence à l'ouverture est responsable de la hausse de la marge, disons, de personnel en plus que j'ai pu obtenir. Ça n'est pas les horaires d'ouverture. C'est l'affluence. Il y a une différence. En termes de résultats, je vais passer vite parce que je crois que j'ai épuisé mon temps. Bon. Les résultats concernant le public et les résultats concernant l'organisation interne sont totalement contrastés. En termes de public, ce qui caractérise, on a fait quelques études sociologiques, on va dire, sur notre public, c'est la forte part d'actifs dans notre public et la forte proportion aussi de jeunes publics, mais de jeunes publics qui viennent en famille et non pas laissés là en garderie. Il y a une grosse différence de fréquentation entre le dimanche et les autres jours. Le dimanche, les gens ont le temps, ils sont plus détendus, ils viennent pour passer un moment à la médiathèque, c'est un loisir culturel, et c'est beaucoup moins rapide que les autres jours. Et cela dit, l'impact de nos horaires d'ouverture est assez modéré sur la fidélisation, puisque, bien qu'on ait atteint des chiffres assez satisfaisants à l'ouverture, on a atteint aujourd'hui un pourcentage de renouvellement qu'il y a dans à peu près toutes les médiathèques annuellement et une baisse d'activité qui est à peu près la même que dans d'autres secteurs. Donc, pour résumer sur les horaires atypiques que j'ai listés tout à l'heure, entre midi et 2, c'est une très faible activité, bien sûr, c'est moins de 5% de l'activité, mais ce sont essentiellement des actifs résidant hors de la ville-centre et qui ne viendraient pas dans un autre créneau. De 18h30 à 20h, c'est encore plus faible, mais ce sont des habitants de la ville-centre qui ne viendraient pas dans un autre créneau. Le dimanche, c'est une énorme activité, enfin c'est une part importante de l'activité. Ce sont essentiellement des familles qui pourraient venir à un autre créneau. Et ils nous le disent, on les a interrogés là au début de l'année, ils pourraient venir à un autre créneau, mais ils viennent le dimanche parce que ça leur permet de venir autrement. La couverture géographique, vous avez à gauche la carte de l'agglomération, donc vous voyez que c'est vraiment une construction politique, ça n'a pas d'unité géographique. Et vous avez à droite l'impact sur le département, ce n'est pas évidemment la même échelle, c'est les mêmes couleurs, mais ce n'est pas la même échelle. Globalement, l'impact est très, très satisfaisant et on a atteint les objectifs quantitatifs et géographiquement, c'est assez bien réparti, ça permet un rayonnement, on va dire, sur un tiers central du département. Les conséquences en interne sont un peu plus contrastées, bien sûr. L'image est sauvée, le dynamisme du service a été saisi par le public immédiatement et le dynamisme est voulu par l'équipe. J'ai eu une équipe qui était derrière moi sur ce projet-là. Mais il y a des conséquences, évidemment. Donner la priorité à l'ouverture, ça veut dire ne pas la donner à autre chose. Et on a constaté, hein, du fait de cette affluence, et du fait du volume d'horaire d'ouverture, que l'action, le développement de la lecture ciblée était forcément plus pauvre qu'ailleurs. L'organisation reste tendue, il n'y a pas que la gestion des plannings, mais globalement l'organisation interne reste très tendue, et avec le temps, des difficultés managériales sont apparues, quand bien même j'avais encore une fois, je le répète, l'équipe derrière moi au départ. Alors, je dirais que, en conclusion de cette expérience-là d'évolution, hein, puisque on parle d'évolution, je dirais que le mutant, globalement, Alonso Le Saunier, a convaincu le public qui plébiscite nos horaires d'ouverture. Il y a eu, début 2015, une nouvelle enquête que nous avons faite sur à peu près 600 usagers. Et globalement, il n'y a pas de grosses critiques. C'est-à-dire, globalement, l'offre que nous proposons permet à chacun ou une très large majorité du public de venir au moins une fois à la médiathèque dans la semaine. Le modèle a convaincu les décideurs qui sont attachés aujourd'hui à ce qu'ils ont proposé il y a 3 ans. Le modèle a même convaincu l'équipe, puisque en faisant un sondage interne, bien plus de 50% de l'équipe reste attachée, par exemple, à une ouverture le dimanche. Les soirées, c'est un petit peu plus difficile. Midi et 2, pas de souci. Mais même une forte majorité reste attachée au dimanche, justement parce que ça a permis d'établir une autre relation avec le public qui vient ce jour-là. Il y a aujourd'hui 3 écueils qui me
rendre un peu circonspect sur la pérennité de génétique de ce petit mutant. D'abord parce que un projet ne se résume pas à des horaires d'ouverture. Il y a bien d'autres choses à faire, et quand j'ai proposé le projet de service complet, bien sûr, il y avait différents axes. Mais celui qui a été retenu et celui qui s'est vu le plus, c'est l'ouverture très large, très diversifiée, et notamment le dimanche, et on s'est attaché à ça. Et la difficulté, c'est de dire, mais il y a aussi autre chose, et autre chose à faire. Dans la négociation, ce n'est pas forcément facile. Il faut une volonté à long terme. Alors, je vous ai dit que les décideurs étaient convaincus, c'est vrai. Il faut aussi une volonté de porter financièrement cela qui n'est pas neutre, hein, mais évidemment, avec le recrutement de vacataires, avec un système de rémunération sur lequel je vais revenir en conclusion. Il faut une volonté à long terme de porter un service un peu atypique. Je ne veux pas dire du mal des élus devant un élu, mais les élus comparent les moyennes nationales, se comparent à la moyenne nationale. Et quand vous êtes sur un modèle atypique, évidemment, ben vous n'êtes pas dans la moyenne nationale des coûts, etc. Vous êtes hors moyenne nationale. On l'a voulu il y a 3 ans, il faut toujours le vouloir. Voilà. Et la principale difficulté, ce qui cause aujourd'hui peut-être les principales difficultés d'ordre managérial dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'on est dans un imbroglio statutaire pas possible. J'ai 23 agents, j'ai 6 manières de rémunérer la présence le dimanche différente. Voilà. Il n'y a pas de cadre lisible pour favoriser la présence d'agents territoriaux le dimanche pour ouvrir une médiathèque aujourd'hui. C'est ce qui a été pointé du doigt par toute mon équipe et même par certains de mes élus. Aujourd'hui, le système n'est pas lisible, donc forcément, quand c'est pas lisible, c'est perçu comme inégal. Et quand c'est inégal, il faut le revoir. Alors, je dirais en conclusion que oui, je crois que le modèle, l'évolution est bonne. Je dirais, enfin, si on parle d'évolution, on peut faire une audace, on peut dire pourquoi j'ai mangé mon maire. Aujourd'hui, il faut que mon maire veuille évoluer. Oui, non, il a voulu, il le veut toujours. Mon équipe, pourquoi j'ai mangé mon équipe ? Non, elle a voulu évoluer, elle porte une nouvelle image du métier, elle le veut toujours. Qu'est-ce qui bloque ? Je dirais que c'est un peu le cadre. Et on a du mal aujourd'hui, avec ce cadre-là, à maintenir une bibliothèque atypique. Je vous remercie. Merci Emmanuel Marine pour cette présentation très tonique et qui aborde, voilà, comme prévu, beaucoup des sujets qui posent question par rapport aux horaires d'ouverture des bibliothèques. Donc je passe la parole à Madame El Maïssour. Merci beaucoup encore de m'avoir invitée. J'adore être invitée pour parler de la lecture publique, j'avoue. Vous risquez d'être invitée très souvent si vous dites ça. En tout cas, pour cette table ronde, je pense que en effet, c'est une question extrêmement importante, extrêmement centrale. Et pour aller très vite, parce que j'ai peu de temps, mais j'aimerais juste revenir un petit peu sur ce que j'ai dit ce matin par rapport à l'architecture à 3 niveaux, replacer un peu le contexte par rapport à Strasbourg, puisque aujourd'hui, donc la carte passerelle, comme je l'expliquais, permet à l'ensemble des gens de l'Eurométropole d'emprunter sur les 30 médiathèques. 30 médiathèques dont je suis en charge d'une partie, hein, celle depuis que je suis adjointe, je suis en charge aussi des médiathèques de la ville et aussi celle de la communauté urbaine puisque je suis conseillère communautaire. Ensuite, il y a les médiathèques des autres communes. Et donc, tout est toujours négociation par rapport à des bassins de vie. Et donc, ça nous permet vraiment de déguiser aussi notre manière de travailler sur le plan démocratique. C'est-à-dire que chaque élu a le droit de dire aussi ce qu'il veut, ce qu'il attend. Et donc, ça nous oblige vraiment à se concerter sur les bassins de vie. Donc, je tenais juste à rappeler qu'on était 28 communes. 475 000 habitants. Les médiathèques vont de 50 mètres carrés à 18 000 mètres carrés, comme je disais pour Malraux. Surtout, il y a uniquement une seule commune aujourd'hui qui n'est pas dotée de médiathèque et une commune qui n'a pas rejoint le réseau passerelle et qui en passe, enfin, en tout cas, elle est aujourd'hui en demande de nous rejoindre et donc je m'en réjouis.
On a globalement 15% de la population est inscrite et active, mais selon les découpages territoriaux, on peut passer de 5% à 20%. Donc on voit bien qu'il y a une vraie disparité du territoire en fonction du lieu, de l'endroit. Si on est au centre-ville ou dans les zones périphériques, les zones plus rurales, tout ça, ça s'équilibre à peu près, on est à 15%. Donc la ville de Strasbourg a pour particularité d'avoir un service commun, c'est-à-dire que les agents des médiathèques sur les trois médiathèques communautaires et ceux de la ville sont regroupés en un seul service, dit le service communautaire. Ça, vraiment, ça, j'imagine que pour Monsieur Charrier, ça facilite quand même beaucoup les choses. On a donc ces trois médiathèques, 10 médiathèques de la ville et les 17 bibliothèques qui restent sous la gestion communale. Donc ça compose ce réseau-là et c'est avec ce réseau-là qu'il faut essayer de composer, de réfléchir à la fois sur un plan communautaire, à la fois sur le plan de la ville de Strasbourg qui est la ville-centre et à la fois avec ces différents niveaux de proximité qu'il faut absolument essayer de conserver. Parce que évidemment, quand je parle de trois niveaux, c'est des niveaux qui sont pour moi extrêmement importants parce que de la plus petite médiathèque qui fait 50 mètres, à la plus grande. Chacune a une fonction, une mission extrêmement importante et il faut vraiment valoriser le travail de maillage. Parce qu'on a bien vu qu'effectivement, par exemple, la médiathèque de Malraux attire plus les jeunes. Les personnes âgées ont plus de mal avec des bâtiments plus modernes, plus grands. Donc on voit bien qu'il y a une répartition qui se fait de manière, on va dire, tout à fait naturelle. Aujourd'hui, on a un service qui s'est engagé dans un projet de service et qui va s'axer sur le développement des bibliothèques citoyennes, comme je le disais ce matin, puisque ça nous paraît être une question primordiale, importante, mais aussi par rapport à une politique culturelle de la ville de Strasbourg qui est aujourd'hui très engagée sur cette question du public et le développement évidemment des publics. Il y a un projet évidemment de bibliothèque numérique. Mais l'objectif, c'est aussi et surtout de poursuivre, comme je le disais, le développement de passerelles, c'est-à-dire de faire en sorte que, malgré les disparités, malgré les niveaux de décision, que toutes ces médiathèques, ces 30 médiathèques, aient le sentiment d'appartenir à un seul et même réseau. Et ça, je crois que c'est vraiment un travail d'abord qui a pris beaucoup de temps parce que j'ai eu la chance, moi, d'être élue en 2008 et j'ai redemandé, enfin, quand on a été élue, j'ai redemandé à m'occuper de la lecture publique, ce qui me permet quand même d'avoir une continuité sur le travail qui a été mené depuis 2008. Donc, en 2010, donc 2008, évidemment, en 2008, si Malraux avait ouvert tout de suite le dimanche, on ne serait peut-être pas aujourd'hui en train de se poser la question de pourquoi et comment on va le faire. C'était une décision politique, ça n'a pas pu se faire. Mais je crois aussi qu'en 2008, les questionnements n'étaient pas les mêmes. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, ce type d'atelier, peut-être, n'aurait même pas... Enfin, vous ne l'avez pas fait. Donc, c'est bien qu'aujourd'hui, il y a aussi une transformation, une évolution, une demande aussi de nos concitoyens. Les concitoyens sont de plus en plus, en demande aussi par rapport aux services publics. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Et donc, à nous aussi élus, de répondre à ça. Et donc, je pense qu'en quelques années, effectivement, cette évolution, cette manière de se concerter a beaucoup évolué. Et donc, en 2008, la question se posait moins. Mais en 2010, il m'a semblé extrêmement important quand même de comprendre notre réseau et de savoir comment chaque médiathèque, quel était son public, ses fonctions, quel public avait-elle, comme cible ou comme habitude. Et donc, on a commandé une étude assez importante qui a permis tout simplement de confirmer les réflexions qui ont été menées au niveau national et montre qu'une meilleure adaptation, évidemment, des horaires est un levier susceptible d'amener de nouveaux publics dans les médiathèques. Mais ce qui a été très important dans cette étude, c'est que le questionnaire s'adressait au non-public, enfin aux non-fréquentants, et pas du tout aux gens qui avaient l'habitude de venir dans les médiathèques, et d'essayer de voir
d'abord, pourquoi les médiathèques, ces non-fréquentants, pourquoi ils ne venaient pas et quelle image pouvait-il encore avoir de ces lieux. Et donc, on s'est aperçu tout simplement voilà, qu'effectivement, il a fallu travailler sur la communication, montrer que les médiathèques, ce n'était pas du tout effectivement, ce qu'on pouvait s'imaginer il y a quelques années encore et que ces lieux ont énormément muté et que les jeunes peuvent vraiment s'approprier ces lieux. On voit tout simplement aussi que dans le questionnaire, on a posé la question de l'ouverture du dimanche et on a eu peu de réponses, peu de demandes finalement de la part du public lui-même. Finalement, ils trouvaient que... Voilà. Mais en même temps, ce sont des gens qui ne fréquentent pas ce lieu. Donc, voilà, comment les faire venir d'abord ? Est-ce qu'ils ont un besoin ou pas ? On sait bien que dans le champ de la culture, c'est à nous de créer la stimulation et l'envie et le désir. Effectivement, les publics les plus éloignés, c'est ceux qu'on aimerait peut-être le plus approcher. Et pourtant, voilà, les mécanismes sont quand même beaucoup plus complexes et plus difficiles à mettre en place. Donc, en tout cas, ils nous ont répondu qu'ils n'étaient pas très intéressés par l'ouverture du dimanche. Ce qui, voilà, moi, m'a mis dans une position, bah, il n'y a pas de demande, comment on fait ? S'ils ne demandent pas, on ne va pas leur ouvrir le dimanche. Bon. Voilà. Mais c'était en 2010. Et donc, en 2012... La municipalité, depuis 2008, avait mis en place un service de la mission des temps, c'est-à-dire que c'est un service qui réfléchit sur l'ensemble des services publics de la ville, sur la manière dont on va pouvoir adapter et les mairies de quartier. Tous les services de la ville sont re-questionnés, retravaillés en fait avec ce service de la mission des temps. En tout cas, nous avons été sollicités au même titre que les autres services et ils nous ont demandé à réexaminer la question d'ouverture du dimanche à Malraux particulièrement. Bon, on sentait qu'effectivement, entre l'étude qui avait été donnée, enfin, les résultats de cette étude, la demande de la mission du temps, on voyait bien qu'il y avait un espèce de décalage qui était quelque chose d'un peu compliqué, on va dire, de répondre tout simplement à ça. Mais enfin, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que très vite, après les échanges du service de la mission du temps, une note interne est produite en mars 2013, et donc une note qui s'appelle « Harmonisation, extension des horaires d'ouverture dans les médiathèques ». Et donc, un groupe de travail est constitué au sein du service des médiathèques en juillet 2013. Les objectifs donc, de cette réflexion sont avant tout la recherche d'une meilleure lisibilité des horaires sur l'ensemble du réseau et la recherche d'horaires. Donc voilà, l'idée, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur le dimanche, mais de bien réfléchir à l'ensemble du territoire et de se dire où, quoi, comment, est-ce que pendant les périodes de vacances, qu'est-ce qu'on fait, comment on ouvre, voilà, et de s'adapter en fonction de chaque lieu. Donc, cette mission du temps étant mise en place, le groupe de travail s'est constitué au sein du service, et donc, on voit que ce groupe, d'emblée, avait envie de travailler. Mais il fallait donc que les propositions qui allaient être faites devaient être concertées, évidemment, avant de les mettre en place. Et l'objectif du groupe était également que cette question des horaires puisse être discutée ouvertement en respectant les attentes ou les questionnements des agents. Et donc, c'est vraiment cette concertation en interne que nous avons mis donc en place à travers cette première étude, qui nous a permis, en fait, qui leur a permis, parce que là, il faut vraiment rendre à César ce qui est à César, c'est vraiment eux qui, finalement, ont sollicité les autres directeurs des autres médiathèques entre eux et ont fait des propositions pour expérimenter, justement, cette question des horaires. Donc, ils ont proposé l'ouverture spécifique donc, au moment du bac. Et on voit tout de suite que sur Malraux, ça a rencontré un véritable succès. Donc, ça a été reconduit très facilement parce qu'on voit que effectivement beaucoup de lycéens ne trouvaient pas de lieu pour réviser, tout simplement. On avait cette grande discussion aussi avec la BNUS qui, elle, est réservée d'abord aux chercheurs et aux étudiants et que les lycéens souvent allaient vers la BNUS puisque nos services ne pouvaient pas répondre à ça. Ce qui est assez étrange, c'est que quand on a proposé ce service-là,
il y a un journal local qui a titré en disant que les médiathèques draguaient les bacheliers, en gros, alors que voilà, on n'était pas du tout sur ce registre-là. C'était plutôt d'expérimenter, de comprendre pourquoi et comment on peut travailler avec eux et qu'est-ce qu'on peut leur proposer, comment on peut les accompagner au mieux. En revanche, des tentatives sur les petites vacances qui ont ouvert notamment pour les enfants qui sont restés sur place, là, par contre, le succès a été assez, on va dire que c'était un flop. En tout cas, le résultat attendu n'était pas du tout là, je veux dire, là on l'attendait. Et donc, l'opération a été évaluée et pour le moment, nous l'avons abandonnée. Mais je crois qu'il faudra quand même y réfléchir parce que c'est peut-être pas une proposition d'horaire, comme je disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'on demande est-ce que vous voulez ouvrir le dimanche, les gens qui fréquentent pas, ils vont dire non, ça m'intéresse pas, de toute façon je viens pas. Par contre, effectivement, de voir sur d'autres cibles et d'autres manières de travailler avec eux, peut-être avec les ateliers de partenaires ou les directions de proximité, de voir comment on pourra travailler autrement. En tout cas, ça reste, c'est une expérience qui a été menée et qui, pour le moment, a été abandonnée. Ensuite, il y a évidemment l'évolution des rythmes scolaires qui est venue modifier totalement la donne. Et là, on voit que, évidemment, le mercredi matin, on a perdu énormément, enfin, une part du public qui n'est plus là. Et par contre, la réception des classes augmente sur la même période. Donc, des fermetures pourront être envisagées peut-être le mercredi matin et un redéploiement des heures récupérées reste à étudier et à voir effectivement avec les équipes comment on va réguler ce mercredi qui était un peu, voilà, qui est une des conséquences évidentes du rythme, de l'évolution du rythme scolaire. Alors, Une autre piste, mais celle-là n'a pas été discutée au sein du comité, mais on en parlait tout à l'heure avec M. Poirot et M. Charrier, c'est sur l'ouverture de la BNUS en novembre. On constate tout simplement que depuis le mois de décembre jusqu'à janvier, février, une baisse très importante à Malraux, en tout cas, d'à peu près moins 4%. Donc on voit bien qu'un public se partage entre ces lieux, mais moi je trouve ça tout à fait normal puisque pendant la période des travaux, on a eu une hausse très forte à Malraux aussi, et donc ça se rééquilibre tout simplement. Voilà, les étudiants venaient chez nous et ils retrouvent finalement naturellement leur lieu et leurs endroits, et donc ils sont très bien accompagnés, et donc ça montre la complémentarité entre ces lieux. Mais ce qui doit aussi nous faire réfléchir, effectivement, on parlait des pauses méridiennes, de l'amplitude horaire du soir, du dimanche. Je crois que c'est vraiment des choses. Nous, on a cette spécificité d'avoir la BNUS, les universités. C'est une ville extrêmement universitaire. Donc, il faut qu'on réfléchisse avec ces partenaires-là. En même temps, la pause méridienne, oui, il faut, dans certains lieux, en tout cas, dans certaines médiathèques, peut-être y réfléchir. D'autres, c'est moins pertinent en fonction de la taille, en fonction du lieu. Et donc, c'est tout ce travail qui est maintenant en cours de réalisation, qui va certainement nous permettre d'affiner. Et effectivement, là, pour le coup, en tant que politique, moi, je n'avais pas du tout envie de partir en disant on a envie d'ouvrir le dimanche, on a envie de fermer tel et tel jour. Mais vraiment de construire, d'être dans une co-construction. En ce moment, les citoyens nous demandent de co-construire. Alors, pourquoi est-ce qu'on construit ? On ne pourrait pas co-construire avec nos services aussi et leur laisser nous apprendre, nous guider et par leur expérience arriver à évoluer tout simplement de manière un peu naturelle, je veux dire sans forcer, mais d'évoluer aussi parce qu'évidemment on ne peut pas rester sur quelque chose de statique et de figé. Parce que tout simplement la demande est autre aujourd'hui et donc les rythmes sont en train de muter. Il y a évidemment la question du dimanche. Là, pour le coup, les agents, ils ne sont pas opposés. Pour certains, ils sont plutôt d'accord. La question, c'est avec quels moyens, comment on les accompagne. La vraie question, elle n'est pas que budgétaire, elle est aussi sociale, elle est aussi organisationnelle. Vous l'avez bien montré tout à l'heure. Et donc, quand on sait, que, par exemple, que c'est les agents, c'est plutôt un public féminin, dans les médiathèques, comment on accompagne, par exemple, les femmes qui n'ont pas de garde d'enfants le dimanche.
Moi, c'est une vraie question que je me pose, parce que qu'est-ce qu'il y a après, comment on peut les accompagner au mieux dans cette démarche-là. Et je pense qu'effectivement, en fonction des différentes demandes qui seront établies l'organisation se fera de manière, je veux dire, très concertée. Aujourd'hui, on voit que il n'y a pas un non radical, mais il n'y a pas un engouement non plus. Donc, nous avons lancé une deuxième enquête, et là, c'est plutôt auprès des non-usagers aussi, toujours. Et donc, la question qui leur a été posée, c'est sur l'ouverture du dimanche d'une médiathèque, vous serait-elle utile? Quelle médiathèque souhaiteriez-vous fréquenter le dimanche, et pour quel usage? Voilà, c'est les trois questions qui ont été posées. Nous n'avons pas encore le retour de cette enquête. Et en fonction de cette enquête-là, enfin de ces questions-là, je pense qu'on verra comment les choses pourront se négocier, se travailler et se réfléchir ensemble. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je vais être peut-être trop longue. Mais bon, je pense que c'est vraiment important qu'on puisse échanger parce que c'est... Voilà, de laisser un peu un moment à la salle. Voilà. Là. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention très stimulante. Je vais laisser la parole à Madame Legendre, avec peut-être une évocation aussi de la place des bibliothèques universitaires dans cette réflexion sur les horaires d'ouverture, même si vous l'aurez compris, là, nous avons quand même essentiellement évoqué les bibliothèques territoriales, mais il y a aussi la question de la complémentarité, je dirais même à Strasbourg, au-delà de la BNU, en effet, avec le réseau universitaire plus largement et ailleurs. Merci. Je crois que cette question des horaires d'ouverture est bien abordée ici en tant que pièce importante du service, du projet et de la réalité d'accès à la bibliothèque dans un contexte de tension, puisque c'est bien le thème de ce congrès. Mais finalement, c'est ce qu'on se disait juste avant le début de cette table ronde. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause de cette tension qu'on s'intéresse tant, enfin, mais c'est peut-être positif, justement, à la question des horaires d'ouverture. Donc, dans le titre de cette table ronde, « Horaires d'ouverture, quel projet pour quels objectifs ?» Projet, le mot est au pluriel dans l'intitulé. Et je trouve ça très justifié, parce que de nombreuses bibliothèques sont concernées. En fait, toutes devraient l'être, au moins en termes d'interrogation, parce que les bibliothèques sont diverses, dans leur dimension, sur leur territoire, les publics sont divers, leur histoire, et je crois que les exposés, les présentations que nous avons entendues montrent bien que l'histoire compte dans le devenir de la bibliothèque, elles sont diverses dans leurs bâtiments, leurs équipes, etc. Et aussi, ce pluriel me paraît justifié parce que avoir en projet une évolution des horaires d'ouverture, qu'il s'agisse d'extension, de modification, de simplification, concerne forcément les autres facettes de la bibliothèque ou du réseau intercommunal ou municipal, que ce projet a des liens, des implications avec le projet de formation, le projet d'organisation des tâches, le temps, les moyens accordés à chacune d'elles, avec la hiérarchie implicite qui existe autour de tâches et de services portés par la bibliothèque, tâches, services considérés comme plus ou moins nobles, plus ou moins valorisants, etc. Ça a donc à voir avec la culture partagée par l'équipe au sein de la bibliothèque, les relations avec les publics et les institutions du territoire. Ça a donc à voir avec le projet documentaire, le projet culturel, avec le contexte d'ensemble de la ville, de l'agglomération, du quartier, du bourg, à un moment donné. Le contexte est évidemment primordial, on l'a vu aussi dans les présentations qui ont été faites, avec ce cas particulier de l'ONS où il n'y avait pas de projet scientifique ni culturel, et on voit à quel point l'analyse des publics, de leur déplacement, de leurs contraintes est important. On voit comment le contexte, même à l'intérieur du même équipement, la présence d'un cinéma, d'art et essai et d'une bibliothèque
concomitantes, donc ces présences ont une importance dans la fréquentation des différents publics. On part de quelque part, un quelque part qu'on pense connaître en tant que professionnel, en tant qu'élu ou en tant qu'usager. Mais je crois que ça ne doit pas faire l'économie d'un diagnostic, d'études, d'enquêtes, comme vous l'avez évoqué. Ça me paraît être une phase vraiment importante pour aller vraiment au-delà des chiffres de prêts d'inscription ou de fréquentation, quand l'équipement existe déjà, au-delà des échanges informels, des désirs, des rêves, des impressions. Quelle que soit l'origine de la réflexion concernant les horaires d'ouverture, parce que cette réflexion a pu être mise en mouvement par la direction d'une bibliothèque, mais parfois ce sont des usagers qui sont les agitateurs d'idées. Ça peut venir aussi d'un directeur des services, d'un directeur administratif et évidemment d'un élu. Quelle que soit cette origine, il est indispensable de fonder le projet. Alors, des choix seront indispensables. Et je crois que ça peut être une difficulté pour beaucoup de bibliothèques. Finalement, pour qui veut-on faire évoluer les horaires? Qui veut-on plus ou mieux toucher? En général, on répond tout le monde. Les bibliothèques veulent toucher toutes les générations, toutes les catégories socio-professionnelles. On dit qu'on veut proposer une offre pour tous les goûts, dans toutes les disciplines, c'est encyclopédique, c'est tout le monde. Et finalement, est-ce vraiment une réponse? Ou est-ce une façon de ne pas répondre? En fait, c'est le titre d'un livre, Ouvrir plus, ouvrir mieux, c'est bien dans cet ordre-là, mais finalement, plus pour qui, mieux pour quels usages, pour quels usagers? Il y aura forcément des choix, de préférence explicite, à exprimer des priorités qui seront indispensables tant pour ce qui concerne la politique documentaire, la politique d'action culturelle, que pour ces fameux horaires d'ouverture. Et ça peut concerner aussi le projet architectural, bien sûr, la situation de la bibliothèque sur le territoire, la politique publique de lecture dans son ensemble. Alors, il n'y a sans doute pas de choix totalement satisfaisant, en tout cas qui satisfasse tout le monde. De la même façon, il n'y en a pas qui ne soient discutables et il n'y en a certainement pas qui ne doivent être interrogés régulièrement dans la durée. Il s'agit donc de fonder le projet sur une analyse, un diagnostic qui nourrisse ses choix et ses priorités en réfléchissant de façon globale aux interactions et à la cohérence. C'est un mot qui a été cité comme important ce matin. La cohérence de l'offre de la bibliothèque sur son territoire. Cohérence ne signifiant pas homogénéité. Et de croiser, au-delà des idées, des a priori, des rêves, ces réflexions, ces choix, ces analyses pour nourrir la volonté politique. Alors, la question des horaires, peut-être donc cette volonté politique, une suggestion d'usager ou d'institution du territoire, elle peut attirer à des circonstances. On a parlé de l'introduction des nouveaux rythmes scolaires, qui a été un peu, parfois un séisme hein, dans certaines collectivités par rapport à cette question. Dans tous les cas, une pédagogie sera à développer et sans doute à répéter. Je crois que le mot endurance était évoqué ce matin aussi. Une pédagogie sera développée concernant la méthode, les fondements d'un projet, les scénarios possibles avec les avantages, les inconvénients, les choix explicites, les priorités et puis, bien sûr, les moyens affectés. Et du coup, ces choix, ces priorités pourront être posés en pleine connaissance de cause. Mais le rôle des professionnels, je crois, dans les bibliothèques, en termes de structuration, expression de ces problématiques est vraiment important. Bien sûr, il est possible de se faire accompagner par un conseil dans certaines communes, c'est la bibliothèque départementale qui peut jouer ce rôle, un conseiller de livre et lecture également. Mais il faut toujours, et je crois que c'est finalement une occasion aussi, expliquer, rappeler que la bibliothèque existe dans sa spécificité, sa complexité, sa capacité à travailler en partenariat,
sa plasticité. Les bibliothèques ont montré comment elles pouvaient évoluer, intégrer de nouveaux supports, de nouveaux usages, de nouveaux publics, sortir de leurs murs. La souplesse existe, alors que l'image, la représentation d'habitants, mais parfois aussi d'élus, et parfois encore celle d'équipements plutôt fermés, plutôt rigides et qui ne bougeraient pas. Donc, un projet d'évolution des horaires peut aussi être une opportunité pour exprimer, souligner la réalité des services et des besoins de la bibliothèque. La réflexion est donc forcément large, concerne ou engage à divers égards de multiples partenaires, décideurs, services de la collectivité, qui peuvent être des directions de ressources humaines, des finances, mais aussi des services liés à la jeunesse, au monde scolaire, à la petite enfance, aux services sociaux. On a évoqué les bureaux ou missions du temps, bien sûr. Mais les partenaires peuvent être aussi se compter parmi le monde des commerçants, des entreprises, des associations, des autres équipements culturels, bien sûr, et n'oublions pas des autres bibliothèques. Il a été question de la présence forte des universités et des bibliothèques universitaires à Strasbourg, de leur absence relative à Lons-le-Saunier. Il y a quand même de nombreuses villes où des bibliothèques universitaires sont présentes, et il faut savoir que ces bibliothèques universitaires ont fait de gros efforts en matière d'horaires d'ouverture, d'extension d'horaires d'ouverture. Je crois que la moyenne des horaires d'ouverture universitaires peut faire rêver celle des bibliothèques territoriales, puisqu'on tourne autour de 60 heures. Il y a eu des encouragements pour ça, hein, avec une labellisation qui a été mise en place, NoctonBU ou NoctonBU, des soutiens financiers, l'embauche possible de vacataires étudiants. Donc, une vraie progression qui a été à l'œuvre, avec des ouvertures très prisées par les étudiants. C'est-à-dire que, alors que la proposition numérique, les ressources numériques sont très, très présentes et très développées dans le monde des bibliothèques universitaires, eh bien, malgré tout, les étudiants sont en demande, restent vraiment très présents dans les bibliothèques, dans ces lieux physiques des bibliothèques universitaires. Alors, c'est une ouverture d'abord sur des places assises, des lieux où on peut travailler, où on peut avoir accès au web, éventuellement accès aux collections physiques également, des usages divers, des usages sans doute plus homogènes que ceux qui peuvent exister en bibliothèque territoriale. On n'a quand même pas en bibliothèque universitaire l'éventail générationnel qui va des bébés aux personnes très âgées. On n'a pas exactement ça dans les bibliothèques universitaires. Donc, on n'a pas la même, à mon sens, exigence d'accompagnement, de médiation lorsqu'on ouvre une bibliothèque universitaire et lorsqu'on ouvre une bibliothèque territoriale. C'est-à-dire que c'est quand même un service qui est véritablement apporté, un service très important, lorsque une bibliothèque universitaire ouvre. Il faut relativiser un peu cette large extension des horaires. Quand on dit cela, il faut bien voir que toutes les bibliothèques à l'intérieur d'un service commun documentation ne sont pas tous très ouverts. Les bibliothèques de santé sont les reines de l'ouverture, si je puis dire, liées au monde des études médicales, les autres moins. C'est parfois une ouverture sur des services partiels, hein, parfois très partiels, uniquement sur des places assises, en fait. Hein. Donc, il y a aussi la question des limites, c'est-à-dire qu'on connaît bien, vous connaissez bien aux bibliothèques territoriales, la question des vacances scolaires où les étudiants tout d'un coup surgissent parce que la bibliothèque universitaire est fermée et viennent à la bibliothèque municipale, ce qui est une très bonne chose en soi, mais ça peut aussi être une gestion parfois un peu problématique. Il y a la question des samedis. On n'est pas, pour l'instant, on ne parle pas beaucoup de l'ouverture des dimanches en bibliothèque universitaire. On parle plus de l'ouverture du samedi. Il y a des efforts qui sont faits aussi, mais elles ne sont pas toutes, loin de là, ouvertes toute la journée du samedi. Donc, des limites aussi à cet effort d'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques universitaires. Cela dit, il y a quand même bien des problématiques communes entre les bibliothèques universitaires et les bibliothèques territoriales, des publics en commun,
et j'ai envie de dire dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on voit, et ça me paraît intéressant, et donc il faut le savoir quand on est à bibliothèque territoriale, que des bibliothèques universitaires se tournent vers des lycéens, apportent une attention, je dirais, renouvelée à accueillir des lycéens, en particulier en fin de lycée, pour faciliter la transition vers l'université. Ça fait partie des services actifs dans les universités, ces bibliothèques universitaires. Donc il y a vraiment des contacts, je dirais, qui seraient naturels en termes de travail en direction des publics, évidemment de politique documentaire, d'horaire d'ouverture. Ce n'est pas forcément si courant que cela, que des vrais partenariats se mettent en place entre bibliothèques universitaires et territoriales. C'est vrai que les tutelles sont différentes. Les rythmes ne sont pas exactement les mêmes, y compris pour les personnels. Ce ne sont pas exactement les mêmes conditions de travail. Il ne faut pas l'oublier. C'est peut-être pas finalement inscrit de longue date, on va dire, dans la culture professionnelle des bibliothèques. Mais il y a là un enjeu fort avoir en tête. Alors évidemment, bibliothèque universitaire, mais aussi les autres bibliothèques du territoire. Finalement, on ne sait pas forcément toujours quel est le paysage documentaire véritablement disponible, traversé, habité par les habitants d'une ville ou d'une agglomération. Que se passe-t-il dans les lycées, dans les écoles, éventuellement dans les entreprises, sur des lieux de loisirs? On ne le sait pas forcément, et ça mérite d'être repéré, réfléchi, de façon à ce que des partenariats puissent se mettre en place. C'est-à-dire qu'il s'agirait, toujours en lien, je n'oublie pas le sujet des horaires, il s'agirait d'envisager une cartographie documentaire en identifiant les complémentarités possibles et censées en termes d'horaires, forcément conjuguées à la complémentarité documentaire, culturelle, par rapport aux différents publics qu'on souhaite toucher, les publics là où ils sont, là où ils vont, là où ils se déplacent, y compris pour des raisons qui ne sont pas documentaires ni culturelles. La réflexion des horaires devrait s'ancrer dans une démarche vraiment décloisonnée, posant la question des lieux de lecture et d'accès à la connaissance, mais aussi aux loisirs, d'accès aux autres, aux lieux d'inclusion de façon générale, aux lieux de prévention et de lutte contre l'illettrisme, aux lieux de vivre ensemble. Interroger les possibilités partenariales, toutes les possibilités partenariales, semble donc être une pierre importante dans cette construction. Imaginer des propositions documentaires et de médiation documentaire et culturelle dans les bibliothèques, mais peut-être aussi dans d'autres lieux qui sont peut-être éventuellement ouverts à d'autres horaires, peut avoir du sens, avec des intervenants qui sont bien sûr des bibliothécaires, mais peut-être pas que. On a parlé de la question des étudiants, mais ça peut être aussi la question d'autres professionnels, d'autres médiateurs, qui peuvent sans doute, de façon enrichissante, travailler en partenariat avec les bibliothécaires. C'est donc une diversité complexe, alors j'ose à peine aussi employer ce mot, mais je crois quand même une diversité complexe qui peut être réfléchie sur le territoire pour enrichir une diversité de lieux, d'intervenants, et du coup élargir de fait les horaires d'ouverture des lieux d'accès à la lecture au sens générique du terme. Il s'agit donc de se placer pour le bibliothécaire et pour son équipe autrement, sans doute de trouver des alliés parmi les autres bibliothèques, parmi tous ses partenaires, parmi les services de la collectivité, et pourquoi pas, cela peut arriver, faire figure de pilote dans la proposition d'idées et de méthodes. On peut être vraiment force de proposition reconnue à condition d'avoir une méthode convaincante. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester seul et qu'il faut quand même développer une force de conviction hors du commun, peut-être pas hors du commun, une véritable force de conviction.
je crois que sinon, mais ça, il y avait une table ronde sur la construction de projets de services partagés tout à l'heure qui parlait aussi de la force de conviction. Donc un tel projet concerne et engage évidemment l'équipe au niveau du projet professionnel et personnel, des conditions de travail, de récupération, de rémunération, mais aussi d'aisance et de capacité d'accueil de personnel complémentaire qu'il faudra éventuellement former, d'évolution des tâches, donc d'apprentissage et d'appropriation de nouveaux savoir-faire, de nouvelles connaissances. Cette recherche gagne évidemment à être collective et il y a là un enjeu managérial certain. Quel accompagnement peut-il être envisagé dans le cadre de cette évolution ? Ça veut dire que des échanges, des temps de réflexion, de négociation devront être programmés dans le temps. Des visites d'autres équipements sont bienvenues. L'observation d'outils en place, on parlait d'automates tout à l'heure, c'est pas un pot de fleurs, effectivement. Voilà, aller voir comment ça marche, même si maintenant ça devient courant. Tout cela est susceptible de changer les modes de fonctionnement et les modes de relation aux usagers de la bibliothèque. Tout cela va donc concerner toutes les catégories de personnel, et donc toutes les catégories de personnel doivent être associés à cette construction collective. On évoque fréquemment la polyvalence. Ce mot de polyvalence est vraiment souvent employé, indispensable à une meilleure gestion des ressources humaines, une souplesse plus grande, un intérêt aussi pour les agents de ne pas se scléroser dans un domaine ou un espace physique de la bibliothèque. Polyvalence dont on attend la solution à de multiples difficultés. C'est juste. Mais la polyvalence ne se décrète pas, elle ne va pas de soi. Elle inquiète, elle exige d'être précisée. Quelles tâches vont être désormais exercées par les différents personnels ? Comment cela va-t-il être préparé ? Quelle formation ? Quelle organisation explicite de transfert de connaissances en interne dans l'équipement ? Quelle mise à jour régulière ? Quel travail en doublette ? Quels outils fournis pour faciliter et rendre confortable cette polyvalence? Quelle pédagogie et quel partage avec l'ensemble des personnels? C'est une dynamique à mettre en œuvre pour une nouvelle culture partagée, sous peine d'un malaise, d'un mal-être parfois, d'un refus des agents ou éventuellement aussi d'une vraie dégradation des services apportés. C'est donc une méthode à articuler, une pédagogie à développer, en interne et en externe, des dispositifs de formation, d'organisation, de matériel, parfois d'intervention sur des locaux, une négociation à nourrir. C'est donc du temps. Un calendrier qui doit être envisagé, expliqué avec vigueur, difficile parfois pour des raisons de contexte, parce qu'il y a la mise en œuvre d'une loi, parce qu'il y a un calendrier politique, parce qu'il y a un chantier qui peut-être ne sera pas en retard. Chantier de bâtiment, de bibliothèque, etc. Mais ignorer cet aspect de calendrier, c'est courir un risque qui peut coûter très cher, humainement, professionnellement et en termes de service. C'est du temps et bien évidemment des moyens adaptés. Pas que des moyens. Bien sûr, l'évolution, l'amélioration et l'extension d'horaire, ce n'est pas qu'une histoire de moyens, mais c'est quand même aussi une question de moyens. Ouvrir plus et mieux, et ou mieux, rendre les horaires plus lisibles et plus simples, les adapter aux attentes en faisant des choix, ça signifie mettre les publics au centre. Formule qu'on entend aussi souvent ou qu'on lit. C'est une nécessité, à coup sûr, quand on considère les moyennes d'heures d'ouverture actuelles des bibliothèques territoriales, et aussi quand on mesure la satisfaction des publics, les enquêtes le montrent, et notamment sur cette ouverture du dimanche, mais pas que. Cela dit, ça doit, sous peine de rester une incantation, que cette histoire de public au centre, signifie aussi mettre au centre la réflexion sur la méthode et sur les modes d'organisation permettant de répondre au mieux aux attentes des habitants. Et donc, en prévoyant aussi les temps et les outils de l'évaluation, en inscrivant une temporalité dans ces modes d'évaluation, sous peine, après un changement effectué, de laisser s'installer une trop longue absence d'interrogation de la pertinence de ces services et de ses horaires.
C'est donc une démarche complexe qui est au croisement de diverses tensions. Je repense au rapport d'enjeu-opportunité qui était évoqué aussi ce matin. Ça peut être une chance de rendre explicites les choix, les priorités, les manques, les faiblesses, les évolutions, la cohérence des moyens à affecter ou nécessaires avec les niveaux de services fournis et attendus. Ça peut être une opportunité d'engager sur le fond un dialogue entre politique, administratif et bibliothécaire. C'est peut-être cette vertu créatrice des tensions qui traverse le monde des bibliothèques et de l'accès à la connaissance, vertu créatrice qui a été citée ce matin. Je voudrais juste, pour terminer, citer Michel Petit, anthropologue, qui écrivait dans son dernier livre, « Lire le monde, expérience de transmission culturelle aujourd'hui ». Les bibliothèques sont des équipements qui sont les plus généreux pour peu que leurs portes soient ouvertes. Merci Françoise Legendre pour votre présentation qui nous rendra sensibles, je crois, vraiment à tous les aspects auxquels il faut penser lorsqu'on parle d'ouverture à une équipe, à des élus, et voilà, qu'on est dans cette dynamique de projet. Alors il nous reste une vingtaine de minutes pour répondre à des questions de la salle, avoir un échange. Voilà, il y a un micro qui va circuler. Bonjour, Arsène Hotte, directeur adjoint Eurométropole de Strasbourg. Alors, plus qu'une question, je voulais juste apporter une précision, puisqu'effectivement, Swadel Messour a évoqué la démarche de réflexion sur les horaires en cours au sein du service. Et donc, pour éviter une confusion peut-être sur... Le timing de cette démarche, c'est vrai que nous avons une enquête qui a été rédigée, qui fait l'objet actuellement d'une note qui vous sera transmise tout prochainement, mais l'enquête elle-même n'a pas encore été diffusée auprès du public. Alors je fais surtout cette précision par rapport à la communication interne aussi auprès de nos équipes, puisque la démarche sera encore relayée aussi en interne avant d'être communiquée au public. Et je voulais, puisque nous sommes plusieurs collègues présents aujourd'hui, éviter peut-être des émois sur des résultats d'enquête qu'ils attendent peut-être d'ici une semaine. Voilà, je mets ça sur le compte de votre soutien et justement d'une certaine impatience de pouvoir avancer sur ce dossier. Merci Arsène, cette précision est extrêmement importante. Je sais que je l'ai validée. Mais je ne sais pas si c'était déjà parti ou pas. Vraiment, je m'en excuse. Donc, voilà. Moi, je l'ai validé. Bonjour. J'avais une question pour Madame Swadel Messour. Donc, concernant l'ouverture pendant révision du bac, comment ça s'est traduit? C'était ouvert le dimanche pendant cette période-là ou il y a eu des horaires? J'ai peut-être pas bien compris. Alors, peut-être Philippe, vous pouvez. Non, c'était pas ouvert le dimanche pendant cette période-là. Mais pour l'évaluation, peut-être je peux repasser le micro à Arsène. Globalement, c'était une bonne opération puisqu'on l'a reconduit cette année. En plus, on l'a reconduit de manière un peu étendue. Et surtout, on a eu la certitude, puisqu'on avait mis en place un petit dispositif d'évaluation, qu'on touchait bien le public, une bonne partie du public visé, mais également un autre public. Oui, la question, c'est... Oui, on a étendu les horaires, les matinées. Les matinées qui sont fermées, c'est-à-dire, si je me souviens bien, le mardi, le jeudi et le vendredi ont été ouvertes. Donc, en fait, c'est une opération sur la semaine, ça faisait 6 heures de plus. C'est pas énorme. Après, il y a eu un système de récupération aussi. Mais ça a quand même permis, en le ciblant bien, de rendre un service réel, en fait. Elle était fermée habituellement, et là, elle était ouverte spécifiquement. Voilà, c'est ça. Toutes les fonctions étaient... Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, la médiathèque était ouverte à l'ensemble des publics à ce moment-là ou c'était ouvert uniquement pour les étudiants? C'était ouvert à l'ensemble des publics. Oui. C'était la bibliothèque qui ouvrait normalement. Et
on se voyait mal, en fait, voilà, établir un filtrage et les mettre devant les bouquins et dire non, cela, faut pas toucher. Cela dit, on sait qu'il n'y touche pas beaucoup, mais... Oui. Il a fallu effectivement acheter des livres, les adapter et faire en sorte justement que, qu'à la fois les horaires, les lieux, ou, enfin les emplacements pour qu'ils puissent tout simplement s'installer, qu'il y ait assez de place, les horaires, on a dit, il y avait 3 ou 4 conditions. C'était pas seulement les horaires, c'était un dispositif un petit peu global. Avec des acquisitions d'ouvrages des annales, leur mise en place aussi, parce que d'habitude elles sont un peu cachées. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi, les horaires d'ouverture, les places supplémentaires, très important, puisque en fait c'est et la communication. Et la communication, mais les places supplémentaires, on sait bien que c'est essentiel pour les lycéens. Et je crois, d'après mon souvenir sur la note, il y avait plus de 1000 lycéens quand même qui ont rejoint ce dispositif. Et donc, ça a eu un vrai succès, quoi. Et c'est juste la période avant le bac. C'est-à-dire que ce n'est pas toute l'année, c'est vraiment en ce moment. Là c'est... Ouais. Voilà, ils savent. Donc là, c'est vraiment la preuve de que c'est des horaires extrêmement ciblés, serrés. C'est pas bon, Monsieur Charrier disait 6 heures, mais qui sont vraiment adaptés à un public ciblé. Et puisque j'ai le micro, j'en profite pour ajouter. Donc c'est effectivement important, je crois, de souligner que la question des horaires rentre dans une réflexion plus générale, qu'elle se met en place également avec un dispositif plus général. Et je crois que c'est important de le souligner. C'est important aussi de souligner que cette réflexion sur les horaires, c'est aussi peut-être prendre l'habitude de réfléchir à cette question-là, la mettre, disons, la remettre peut-être une dynamique de réflexion et peut-être aussi pouvoir expérimenter, comme on l'a fait d'ailleurs à la sur proposition des responsables d'établissement, faire une expérimentation sur les petites bibliothèques et les petites vacances et s'apercevoir qu'en fait il n'y a pas vraiment de réponse. Peut-être que si on se mettait à le faire sur plusieurs échéances, et si on arrivait à fidéliser le public, la réponse serait peut-être différente. Mais là, on a quand même senti qu'il n'y avait pas une réponse immédiate, et donc on n'a pas insisté, en fait. D'autres questions? Oui. Bonjour, Jean-Luc Duval, Réseau des bibliothèques de Dunkerque. J'avais deux questions, et je suis désolé, c'est encore pour vous. La première concernait le questionnaire que vous avez adressé aux non-fréquentants de la bibliothèque. Je voulais savoir comment vous avez ciblé ces non-fréquentants, comment vous êtes allé les chercher. Et la deuxième, je vais poser les deux d'un coup, comme ça sera fait. La deuxième concernait, en fait, j'ai pas bien compris ce qui fait qu'en 2012, la mission du temps vous a redemandé d'évaluer cette question du dimanche, en fait, puisque, voilà, je voulais savoir sur quoi il s'appuyait pour vous demander de réexaminer cette question-là. Juste un mot, parce que pour 2010, effectivement, c'est une étude qui a été confiée à une agence, hein, ça n'a pas été fait, c'est pas une étude interne, justement pour avoir cette distance et qu'on puisse... interroger des gens de manière beaucoup plus large, en donnant effectivement des critères au départ. La question effectivement a été posée, je ne me rappelle plus, je ne pourrais pas vous dire précisément comment elle a été posée, mais certainement si les gens n'ont pas répondu, c'est que peut-être dans la question même, on n'induisait peut-être pas une... Je suis incapable de vous répondre là précisément sur la manière dont le questionnaire a été fait. Sur le détail de l'étude, effectivement, c'est un peu complexe, mais il y avait à la fois une étude quantitative et une étude qualitative. Il y a eu des focus group, en fait, qui était très intéressant sur les réactions des gens et leurs besoins, l'expression de leurs besoins.
Ensuite, pour 2012, la mission des temps, ma foi, je ne sais pas pourquoi la question a été réveillée. Je soupçonne que c'est peut-être mon arrivée qui a fait que ils se sont dit peut-être qu'il y a une opportunité là à relancer le débat. Et bon, sous toute réserve. Il y avait une dame au fond de la salle, là-bas, au milieu. Voilà. Excusez-moi, mais elle avait levé la main avant. C'est pour répondre à la deuxième partie de la question de monsieur sur la façon dont on allait cibler les publics. Donc, alors, comme l'enquête n'a pas eu lieu, je ne peux pas encore vous dire ce qui a été fait, effectivement. Ah, celle de 2012, pardon. Donc, pour l'enquête à venir, en tout cas, c'est un travail qui sera fait, notamment avec des services associés de la collectivité. Le service qui travaille avec les publics, les résidents étrangers de Strasbourg, par exemple, des services qui travaillent avec les directions de proximité, le service qui travaille avec la jeunesse, en fait, la petite enfance, en fait, donc les familles. Donc, il y aura ce type de travail, plus des relais à travers des sites identifiés par ses partenaires pour la diffusion de notre enquête, quoi. Bonjour, Marie-France Lequen, je suis directrice de la médiathèque des Ulysses dans l'Essonne. Je voulais juste apporter un témoignage aussi sur les révisions pré-bac. C'est la troisième année que nous les organisons. Les deux premières années, on les a organisées pendant 2 semaines et devant le succès, là, cette année, c'est 3 semaines. On est ouvert du mardi au vendredi jusqu'à 21h. Donc, c'est en tout 15 heures d'ouverture supplémentaire, puisque du coup, on ouvre le jeudi après-midi, qui d'habitude est fermé. Par contre, le prêt s'arrête aux horaires habituels, donc c'est uniquement de la possibilité pour les étudiants et lycéens de venir à la médiathèque. Essentiellement, les lycéens pour aller dans les parties calmes, pour avoir vraiment être dans le silence, et les lycéens pour pouvoir travailler en petits groupes. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu un aspect qu'on n'avait pas du tout prévu, qui est un aspect collaboratif. Il faut savoir que les Ulysses, on touche... Un tiers de notre public vient des Ulysses, zone urbaine sensible. Un tiers des Ulysses, c'est petits ouvriers employés. Et un tiers de notre public vient des environs, donc c'est les chercheurs du plateau de Saclay. Et on a eu spontanément des adultes qui sont proposés pour faire du tutorat sur ces heures-là. Donc ce ne sont pas des enseignants parce qu'ils sont pris. On essaye d'éviter un peu les enseignants à la retraite qui se souviennent du bac il y a 20 ans. Par contre, ce sont des étudiants qui ont déjà terminé leurs examens, beaucoup, et ce sont aussi des chercheurs du CNRS, du CEA, qui fréquentent la médiathèque et qui viennent donner 2 heures, 4 heures, 10 heures pour les gamins des Ulysses, et ça, je trouve ça super. Merci. Il y avait une question de M. Poirot également. Donc, Albert Poirot, BNU. Oui, je voulais revenir sur le dimanche. Donc, nous avons négocié avec le personnel, les syndicats, les représentants du personnel, cette ouverture du dimanche. Et le résultat est là, c'est une journée qui est très fortement fréquentée par le public, en particulier le public des étudiants. Bon. Moi, je voudrais enfoncer le clou par rapport à ce qu'a dit Emmanuel Marine et ce qu'a repris sous une autre forme Madame El Maïssour. Il y a un coût social, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire reposer l'effort sur les familles et sur les personnes. Et la réglementation aujourd'hui en vigueur n'est pas satisfaisante. On n'arrive pas à payer 2 pour 1, par exemple, en termes de salaire, de rémunération ou en termes de récupération, et ce n'est pas normal. Il faut que tout le monde soit gagnant dans cette affaire-là si on veut toucher, avoir l'adhésion du personnel. Ce qui s'est passé chez nous à la BNU, c'est qu'on a fait passer par notre conseil d'administration le principe du 2 pour 1, mais en se plaçant en dehors de la réglementation officielle. Donc un jour,
Peut-être que la Chambre régionale des comptes nous dira quelque chose. Et peut-être que là, ça sera l'occasion de mettre à nouveau la question sur le tapis. Mais j'enfonce le clou. Ce n'est pas normal qu'on laisse les responsables d'établissement seuls devant ce problème. Et si l'on veut que cette question évolue, il faut que les élus, au plan national, les parlementaires, s'en saisissent. Merci, M. Poirot. Je pense que Mme Robert a bien entendu le message. Nous en avons déjà parlé à midi et c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois cet après-midi. Donc voilà, je pense que le message est bien passé. Effectivement, juste au plan territorial, la liberté est laissée aux conseils communautaires et aux conseils municipaux de fixer finalement la négociation dans une certaine fourchette. Mais les conditions de vie des collectivités actuelles font qu'on en vient à ce qui est strictement nécessaire. Et ce qui est strictement nécessaire, c'est 74 centimes d'euros de l'heure. C'est un décret qui a été fixé en 1991 et qui n'a pas été réévalué depuis. Motiver des agents à venir travailler 5 heures un dimanche pour 74 centimes d'euros de l'heure, ça marche les trois premières fois. Après, vous attendez un miracle.